same city. We've known him for a while. Like, we met him way back, like, before he grew up. So, we also met him. En fait, on vient de la même ville, de Seattle. Et en fait, lui, c'était un chanteur underground. Et donc, ils se rencontraient dans les shows hip-hop, dans les clubs, ils se connaissaient, quoi, tu vois. Donc, il y a toujours eu ce respect, ils se connaissent, quoi, mais jamais de travail ensemble, tu vois. En fait, comme elle danse avec lui depuis 6 ans, elles ont décoré toutes les chansons, tu vois. Et nous, on est un peu les nouveaux groupes, tu vois. Donc, elle est obligée de nous faire de la place, tu vois ce que je veux dire? Donc, entre guillemets, elle, c'est ma chorégraphe, elle a tout chorégraphié, mais nous, on arrive, on fait notre truc aussi. Tu vois. Et on essaye de prendre en compte ce qu'elle nous dit, tu vois. Mais c'est pas. Alors, des fois, vous allez nous voir faire des moves un peu bizarres. C'est pas moi qui les a chorégraphiés, c'est elle, d'accord? Et puis, pour la vidéo downtown, he wanted the choreographers to be from Seattle, so locally, and he wanted the dancers to make it feel like a Michael Jackson video or like a Thriller video, West Side Story, so like Snap, Run. And so we had his manager at Smoothie Spot. Oh, okay. Pour sa nouvelle chanson, Downtown, c'était son premier single. Lui, il a pas fait de musique depuis 2012. 2012, c'est l'album qui a cartonné dans le monde entier. Et après, il est resté silencieux. Il n'a même pas fait de featuring, rien. Tu vois, il a fait que des tournées, il n'a rien fait. Et ensuite, pour Downtown, il a contacté Massive. Il a dit, ouais, j'ai envie de faire un truc à la Thriller, West Side Story, un truc épique, tu vois. Vous avez vu le clip? Ouais. Ouais, vous avez vu le clip? Ben c'est ça, tu vois, c'est un truc que tu vois, des gangs qui se rencontrent dans la rue, tu vois, à l'ancienne, quoi. Et donc il a contacté Massive. And they wanted the choreography simple enough so normal people they can see it and learn it and it would be like viral, like, you know, ouais. Just like, you know, what's up, the dance moves and stuff. En fait, il nous a dit, ouais, je veux des chorégraphies pas compliquées, je veux des trucs que tout le monde peut danser, tu vois, que tu peux être même pas un danseur, t'es dans une soirée, tu peux te faire des pas, tu vois ce que je veux dire? Il veut un truc qui soit accepté, on dit en anglais, viral, tu vois. Un truc comme le da, tu vois, ou un truc que tout le monde fait, tu vois ce que je veux dire? C'est des moves que tu peux chorégraphier, mais qui sont hyper simples et que tout le monde va pouvoir les faire. Et en fait, ça, c'est plus dur à trouver. How you first started? Oh, with Massive, yes. Or not you? Massive, and then I would talk. Okay. Oh, we can talk. We went to the same high school. They were breaking a little bit before us, another crew. Yeah, it's high school, kids, children, like school kids, like same time. Community centers. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont été dans le même lycée. Tu vois, et en fait, à la base, il y avait deux crews. T'avais Untouchable Style of Monkeys et t'avais Massive, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que lui, il était dans Massive, et lui, il était dans Untouchable Style of Monkeys. We're the better ones. Il dit qu'ils étaient meilleurs que eux. et après, ils ont fusionné les deux groupes, en fait, et ils sont devenus Massive Monkeys. En 99. Et comment moi je les ai rencontrés, donc c'était sur MySpace. MySpace est l'ancêtre de Facebook. Avant Facebook, il y avait MySpace. Ça a disparu depuis. Et je les avais contactés pour qu'ils fassent un battle ici, en fait, à Hip Hop Session, c'était. Et puis on a commencé à parler, ils sont venus, on s'est bien entendu, on rigolait bien. Et puis après, moi je suis parti là-bas en stage pour 6 mois. Et en fait, je me suis entraîné avec eux, on a commencé à devenir vachement potes et tout. Et en fait, ils étaient dans une tournée aux États-Unis en 2007 et moi j'étais rentré en France après mon stage et ils m'appellent et ils me disent ouais on a la tournée, il y a un des gars qui s'est cassé, est-ce que tu peux le remplacer? Et moi j'ai fait ah ouais et tout, c'est quand? Fait, bah, c'est demain, faut que tu sois à Dallas, c'était ça le Texas. Et moi j'étais un an, tu vois, demain, comment je vais faire? Et c'était déjà après minuit, tu vois, je pouvais même pas prendre mon billet parce que tu vas prendre un billet d'avion pour le même jour en France. Donc j'ai dû appeler un gars aux États-Unis qui a pris mon billet d'avion. Le lendemain, j'étais à Dallas. Et puis j'ai commencé à tourner avec eux. Et depuis, j'ai fait toute la tournée en 2007. On l'a refait en 2008. Et en 2008, je suis devenu officiellement Massive. But that's not what put him in the crew. It wasn't the fact that you went there and did that. It was when we got there, how it all meshed, how it all connected. It was like made sense for him to be a part of the crew. Based off of this, but then everything that happened after, and then spending a couple months together, it's a
fait en fait vraiment quand tu ouais ce qu'il veut dire c'est que le fait que je sois allé là-bas c'est pas ça qui m'a qui a fait que je suis rentré dans ma Simon qui ce qu'il dit c'est que c'est le fait que tu passes un mois et demi à vivre ensemble dans un bus que c'est une famille et que tu sais tu t'entends bien et que et on s'embrouille pas que tu vois on s'entend super bien et c'est ça que c'est un esprit famille exactement. Nice video. Yeah. Okay. Ils ont kiffé la vidéo que vous avez envoyée. Elles ont fait une vidéo trop bien là, pour nous accueillir. Non. Et attends, c'est bon. Yeah. Thanks for everybody for coming and enjoying the show. It's going to be a good show. Yes, we will mess it up, baby. Looking for a comma. This is fucking awesome. Thank you.